Il était une fois. Cendrier, il avait copé, se blase un jour, vu qu'il était encore plus tabagique que Gainsbourg. Mais surnom, il avait jamais aussi bien porté que ce matin-là. Son 10 mètres carrés empestait l'alcool et le tabac froid. L'odeur de cadavre le tira du sommeil pour leur plonger aussi sec dans ses exploits de la veille. Céramiste de vocation, ses deux demi-frères ne manquaient jamais de lui rappeler sa position sociale. Ils voulaient bien laisser cette chambre de bonne au dernier étage, mais en échange tous les jours dans leur loft qu'ils devaient faire le ménage. Faut dire que ces deux-là étaient pleins aux as. L'un était créa dans la pub, il avait une Audi ZT de place. L'autre était plus révolté, critique de musique aux inrecuptibles. Il adorait la pop indus de l'underground finlandais. Bref, il le méprisait et n'arrêtait pas de le narguer, parce qu'ils avaient un carton spécial VIP dans la grande soirée, donnée le soir même par le comte d'Hardy Sniff. Et lui était encore invité nulle part. Il allait encore finir tricard avec la veuve Poignet. Mais de toute façon, qui aurait voulu de ce déchet? C'est pris dans ses pensées qu'il jeta un pied hors du lit. Il était 5 heures de l'après-midi. Cendre! 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 Yeah, 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 yeah! Je suis en berne, la laine de Captain Caverne. Marchant radar pour atteindre les chiottes, il mit un pied dans le sandar. Et merde! Cria-t-il, la cendre se répandit dans les airs. À ce moment arriva quelque chose d'extraordinaire. Dans un nuage de cendre apparut la fée gitane. Elle était belle, jeune, elle sentait le mégot chaud. Elle dit de sa voix éraillée: mon neveu, ce soir tu seras la reine pour aller danser. Oh merci. Je transforme tout ce que je touche. Approche-toi, fais un vœu, oui, oui. Mais je t'en supplie, mets ta main devant ta Pardon. Bouche. Tu refoules du goulot. Attends, de ma baguette, castagnette, je vais te faire le sourire émail diamant. Ce soir tu seras à bar tabac de la Seita, costard en poudre romanaire. T'as pas de citrouille? Bah non. Eh bah regarde, transforme ton paquet de clopes en corvette. C'est super. T'es prêt à faire un tabac pour la soirée de jet set? Mais attention, il y a une condition, chérie. Les losers ne deviennent playboy que la nuit. Oui. Ah bon? Alors sauve-toi dans les premières lueurs. Et tant pis pour l'after. Arrivé au château, lui déroula le tapis rouge. Tout le monde le matait, il était comme dans un songe. Ses deux frères étaient verts, toutes les femmes étaient hypnotisées. Il dessinait des cœurs dans ses volutes de fumée. Par opérer une petite, elle était mannequin chez Elite. Ouais, je suis mannequin chez Elite. Ouais. Cendrier pour le 31 était plus heureux des tocards. Sa belle princesse est un mannequin, il s'embrasse dans le noir en mitouflé. Dans sa fronce, il a oublié qu'il était déjà 5 heures et tard. C'est pas la fin de l'histoire. Le beau mannequin lui court derrière, elle n'a plus de lui, qui lui reste sa veste en peau de dromadaire. Elle regarde dessus, qu'à son nom colle, bar tabac de la Seta. Ah donc, le gars a fumé picole. Bah oui, alors elle fit tous les bars tabac pour retrouver son prince charmant. Mais vu le nombre de bars de la ville, elle devint alcoolo tabac jour rapidement. Lorsqu'elle finit par retrouver Cendrier, au bout de 10 ans, elle la trouva bien décrépite, très loin du souvenir du mannequin chez Elite. Mais comme il était toujours célibataire, il épousa et en fut fier. Mais leur histoire fut éphémère, ils eurent un cancer.